Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente journée, ensoleillée ou pluvieuse. Ce n'est pas grave d'être mouillé. Oh là là, je commence en étant pouet-pouet. Ah voilà. Donc j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo comme promis pour vous parler de mes prochaines dates de spectacle de Bizouskus. Ah, il y en a. Hein. Oh, ça commence à augmenter de plus en plus. Hein. Mais avant, je reviens sur ma petite revue de presse d'hier. Je vous parlais de la variole du singe en vous disant que on commençait de plus en plus à se foutre de leur gueule. Il y a eu quelque chose de nouveau entre-temps que j'avais oublié. La grippe de la tomate. Ouais, la grippe de la tomate. Ils savent plus quoi inventer, les gars. Ouais, et à un moment donné, ils vont être à court, hein. Ah oui, ils vont être à court, hein. Ils pourront plus parler de légumes, ils pourront plus parler de fruits, ils pourront plus parler d'animaux. Ils vont parler des menus. Voilà, ce sera la grippe du cassoulet. Oui, faites attention à la grippe du cassoulet. Très dangereux. Oh merde, ça commence déjà. Ah, voilà, ça c'est comique. Ça me fait rire que moi, peut-être, j'en sais rien, mais ça me fait rire, ça me fait rire, hein, qu'est-ce que tu veux? Ah, donc, il y aura peut-être aussi la variole du couscous. Enfin bon, il y aura de toute façon une couillonnade. Allez, parlons du spectacle, c'est le plus important. Voyez? Bizouskus. Stéphane Cuvelier, c'est moi. Petit cadeau de trostylé.be. Alors trostylé.be, c'est une petite société d'un ami à moi qui s'appelle Mike, qui fait des beaux petits t-shirts comme ça. C'est lui qui avait fait aussi Covid, tu meurs pas. C'est lui qui avait fait aussi plein de t-shirts. Allez voir trostylé.be. Donc voilà, ce petit bisouscus fait spécialement pour la tournée. Ah voilà. Donc si jamais tu désires en avoir, n'hésite pas à y aller. Moi je l'aurai évidemment. Ah oui, hein, tu penses bien. Ce sera notre cri de ralliement quand on va se voir. On va se dire, toi et moi, on se connaît. Ah oui, voilà. Allez. Ah, je suis nouveau, enfin, je suis nouveau parti de ça à faire 15 minutes ici. Non. Allons droit au but. Allons au spectacle. Bon, voilà les amis. Je vais vous donner les dates de spectacle, le lieu où je joue, et vous aurez toutes les infos sur mon site, www, évidemment, .stéphanecuvelier.com. Stéphane, Stéphane. Oui, mais tu te trompes encore souvent, si. Oui. Donc, Stéphane, Stéphane, cuvelier.com. Et tu vas dans hop, le petit clic événement. Et là, hop, t'appuies sur la date et t'auras toutes les informations. Voilà. Le prix du billet, l'adresse exacte, où tu dois réserver. Enfin, tout et tout et tout et tout. Mais je te mettrai quand même en dessous, en commentaire, la date et le lieu. Comme ça, voilà. T'as déjà un petit truc de dire, ah, oh, ça peut m'intéresser d'aller là. D'accord? Allez, on commence. Voilà. Je serai le 17 juin à Oupey. Ah, dans cette petite blague, ça. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est parce que je joue deux fois au pays, mes deux premières dates étaient au pays. Donc, si vous voulez faire la petite blague, je joue au pays. Non, je joue pas au pays. Enfin, si je joue, mais c'est déjà complet. Alors, mes nouvelles dates. Le 17 juin, à Amay. Amay, c'est du côté de Liège. Donc, dans la province de Liège. 17 juin, à Amay, à Liège. Le 9 juillet. 9 juillet, première date en France, à Méreuil, du côté de Aix-en-Provence. 9 juillet, à Méreuil, du côté de Aix-en-Provence. Première date française. Les 18, 19 et 20 août, au Comédie Centrale de Charleroi. Ouais! Enfin, je reviens à mes premières amours. Donc, 18, 19 et 20 août, au Comédie Centrale de Charleroi. Le 3 septembre, à Namech, en province de Namur. 3 septembre, Namech, province de Namur. Je sais que vous êtes là, réservé déjà maintenant. Ah, petite vanne comique qu'on n'a jamais faite. Voilà. Donc, 3 septembre, à Namech, à Namur. Le 14 octobre, ça c'est une date aussi importante pour moi parce que c'est un lieu dans lequel j'ai joué très souvent et que j'adore. Brabant Wallon, j'arrive. Eh, le Brabant Wallon! Eh, Lannes, Waterloo et tout ça. Comment les gars? Donc, je serai le 14 octobre au centre culturel d'Ottigny. 14 octobre au centre culturel d'Ottigny. Et le 23 septembre 2023. Ah là, on se prend en avance, hein. 2023, je serai à Palizol. À Palizol, c'est dans la province de Luxembourg. Voilà. 23 septembre 2023, je serai à Palizol, dans la province de Luxembourg. Voilà, les gars. Vous avez toutes les dates, toutes les infos en dessous. N'hésitez pas à réserver, évidemment, parce qu'il faut qu'on se voit, hein. Moi, je te le dis, moi, je me prépare. C'est pour ça que, hop, là, je te laisse et puis je me casse pour de nouveau travailler, hein. D'accord? Allez, les gars. Pour ceux qui ont déjà réservé, pour ceux qui vont réserver, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci vraiment déjà du fond du cœur. Je suis impatient de vous retrouver. Je suis comme ça, hein. Je peux vous dire que je suis comme ça, hein. Mais là, ça va péter. Je te dis, ça va péter. Voilà. Allez, bisous, les gars. On se voit bientôt. On lâche rien. Je suis tout cœur avec vous. Et évidemment, je termine toujours par ça, hein. Bisous.
Ça va les amis? Vous allez bien? Super! Moi je vous aime. Moi je vous adore. Je vous aime. Je vous aime. Bisous-cus. 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 Bisous-cus.